programme d'améliorer le football local. C'est vrai que non, moi j'avais pris une fonction au début du mois d'octobre. J'avais pensé que c'était bien de travailler sur l'équipe première, mais c'est aussi important d'améliorer le championnat local, d'avoir une confrontation avec les entraîneurs. Parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment un stage, c'est plus une confrontation entre collègues et pour essayer d'avoir des joueurs dans le futur qui sont compétitifs pour intégrer l'équipe nationale. Et coach, donc en ce moment, on est en train de faire. J'ai choisi la semaine type, c'est-à-dire diviser les jours de la semaine par des travaux différents, exactement comme on travaille en Europe. Même si le contexte change, mais à la fin, les éléments sont les mêmes. Donc c'est important de se donner un ordre, que les entraîneurs aient des points de repère précis sur lesquels pouvoir travailler. Et c'est sur cette base-là qu'on est en train de faire des exercices et des démonstrations d'abord dans la salle. Et ensuite, on vient sur le terrain pour montrer l'exercice live. Est-ce que pour l'instant, est-ce que vous êtes satisfait par rapport au déroulement de la promotion? La confrontation, et puis sincèrement, c'est très bien organisé. Sincèrement, je suis content. Ce matin, ça s'est bien passé. La salle était bien organisée, tout fonctionnait, le projecteur, tout. Et non. Et puis bon, les entraîneurs, c'est des gens qui sont préparés. Parce que ce matin, ils ont posé des questions. On a compris que c'était des gens qui avaient fait des stages, qui avaient des bases. Donc, ça a été vraiment un plaisir de travailler avec eux. Et coach, vous vous souvenez bien, vous nous avez promis qu'un jour. Non, ça reste, la promesse reste, dans le sens que moi aussi, là, j'avais fait un projet pour venir peut-être quelques jours en plus. Malheureusement, ça n'a pas été possible parce qu'il y avait toute une série de choses aussi à régler. Mais de toute façon, moi, à chaque fois, je suis venu aux Comores et je suis toujours venu à Anjouan et à Moëlie. Donc, ça fait partie d'un programme très ample et j'aurais bien voulu assister au derby samedi. On va voir si ça va être possible. Mais en tout cas, non, le football local, je le suis de très près, ça c'est sûr. Ok, merci beaucoup.